Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue de nouveau dans cette cabine, dans ce studio de la 91.3 FM. C'est la régionale, la mère des radios de Cameroun. Il est exactement 20h34 dans ce studio. Et c'est justement la mère des radios de Cameroun qui vous entretient ce soir dans le cadre de votre magazine. Littoral agro-pastoral. Littoral agro-pastoral, parce que les paysans, les producteurs, les professionnels doivent se retrouver pour parler d'eux-mêmes. L'émission, le magazine, il est instructif, il est éducatif, il est même divertissant. L'équipe qui nous accompagne ce soir est faite de Edouard Penda au pupitre technique. Au microphone de présentation, je suis Simon Niobe. L'émission ira, mesdames, messieurs, jusqu'à 21h30, heure à laquelle nous céderons notre siège à Social Action, dont le thème vous sera donné tout à l'heure. Avant de parler, pose-toi ces trois questions. Est-ce bon? Est-ce vrai? Est-ce nécessaire? C'est le maître Bouddha qui le disait. Nous sommes accompagnés ce soir de M. Oum, à ma gauche, représentant, il est expert, s'il vous plaît, en compensation multilatérale, et de M. Tchoufak, qui est responsable relations publiques et marketing. C'est le programme Nisayo. Nisayo, nous allons avoir d'amples connaissances par rapport à cela ce soir, mais également, ces deux personnes, une autre peut-être nous rejoindra d'un moment à l'autre. Et nous nous sommes retrouvés ce soir pour parler de l'élevage du porc, donc de la porciculture. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Tchoufak, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Niobe. Et bienvenue à Littoral Agro-Pastoral. Maintenant que nous avons salué nos auditeurs, que nos auditeurs vont s'installer, nous allons prier notre technicien du soir, Edouard Penda, de nous distiller une suavité afin que les uns et les autres, n'est-ce pas, nous puissions nous mettre ensemble, parce qu'il n'y a pas d'agriculture sans mise ensemble. Oh,
Merci, je crois que vous avez été plus d'un à vous rappeler de cette sonorité de Jean-Paul Mondo. Jean-Paul Mondo qui nous a quittés il y a cela un certain moment, c'est quelques années, mais qui a fait la beauté de la scène musicale et qui a été un repère pour certains qui se sont lancés dans le rythme Makossa, parce que ils ont été comme ça nombreux qui ont prêché par l'exemple pour la relève et pour le maintien de la culture camerounaise. À la rencontre du monde rural, mesdames, messieurs, c'est exactement 20h40 dans ce studio. C'est du monde rural qui se retrouve un magazine parlant des gens comme nous, d'hommes et de femmes qui s'efforcent à gagner leur vie et d'élever leurs enfants. Des professionnels de l'agro-silvo-pastoral pour informer, former, éduquer et surtout divertir. Pour favoriser l'échange, s'il vous plaît, je vais y arriver, producteurs et producteurs, producteurs, semenciers et chercheurs, consommateurs et autres acteurs du développement agricole. C'est un magazine de la CIATV Littoral, présenté par Simon Niobe Niobe avec la collaboration du service des programmes et de la régie d'antenne. Je vous le disais à l'entame, mesdames, messieurs, chers frères agro-silvo, pastoraux, acteurs du monde rural, nous sommes ce soir en compagnie de M. Oum, expert en compensation multilatérale, de M. Tchoufak, responsable relations publiques et marketing, tous du programme NISAYO. Et nous allons parler ce soir de NISAYO. Nous allons parler du partenariat Big Dutchman. C'est une coopération allemande qui vient en appui aux porciculteurs, aux éleveurs du porc. Ils présentent un nouveau matériel, ils apportent une nouvelle expertise, ils donnent de nouveaux outils pour améliorer et le travail et les conditions de vie des opérateurs dans ce domaine. Mais également, nous allons parler de compensation. Parce que tout compte fait, l'opérateur doit s'améliorer en s'équipant, en soutenant de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes, car on a dit désormais, la science n'est rien sans innovation. Monsieur Oum, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Niobe. Et Monsieur Tchoufak, bonsoir également. Bonsoir, Monsieur Niobe. Ils sont nombreux à nous écouter. Nous avons énormément parlé dans un sens et dans l'autre. Et NISAYO, qu'est-ce que c'est? Je vous remercie, Monsieur Niobe, de m'avoir
donné ce soir l'opportunité de m'adresser aux auditeurs de la CRTV pour parler du programme Nisayo. Le programme Nisayo, c'est un programme intégré dans les bassins d'Union, Sanaga et Yoyo. C'est un programme de la Chambre d'agriculture qui a pour objectif global le développement socio-économique des populations camerounaises. Comme objectif spécifique, elle s'occupe aussi du renforcement des capacités des agriculteurs et des éleveurs. D'où ce partenariat dont vous aviez si bien expliqué avec l'entreprise allemande Big Dutchman, dont on aura l'opportunité ici à votre station de parler amplement de ce fameux partenariat. Donc, le programme Nisayo est animé de cet objectif global et comme objectif spécifique en ce qui concerne cette conférence, je vais parler ici du renforcement des capacités des agriculteurs. Donc c'est un point focal où les éleveurs ont assez attiré notre attention et que de notre côté, nous avions tout fait pour les satisfaire en commençant déjà par ce partenariat avec l'entreprise Big Dutchman afin de leur montrer que lorsque les éleveurs tous, le programme s'enrhume. Donc c'est dans cette optique que nous sommes et nous sommes aussi très partisans des éleveurs qui veulent se professionnaliser dans leur activité, qui est aujourd'hui très important, parce que l'écart qui existe entre l'offre et la demande aujourd'hui dans notre pays est considérable et nous avons le devoir et les moyens d'inverser cette tendance. Je vous remercie. Nous disons encore une fois merci à M. Tufa qui nous a apporté un éclairage dans ce domaine. Maintenant, nous allons nous retourner du côté de M. Oum. M. Oum qui est expert en compensation multilatérale. Expertise en compensation multilatérale, M. Oum. À quoi ça renvoie? Merci, M. Niobe. D'abord, il faudrait que les gens comprennent ce que c'est que la compensation. En fait, la compensation, c'est un accord qui est passé entre plusieurs partenaires dans le cadre de s'échanger les biens et les services sans faire nécessairement intervenir les paiements d'argent dans les transactions. Il suffit, en fait, il s'agit tout simplement d'un mécanisme qui est basé sur une entraide économique et une solidarité locale à travers les échanges indirects ou multilatéraux, les biens et les services entre agents économiques mis en réseau des relations d'affaires. En fait, c'est une plateforme que nous avons mise sur pied pour faciliter aux agriculteurs, puisque nous sommes ici dans ce cadre, de pouvoir s'octroyer les biens ou les services dont ils ont besoin dans le cadre du développement de leur activité. Et tout part du fait, savons qu'aujourd'hui, l'honneur des guerres, c'est le financement. Un sondage d'impact que nous avons fait auprès d'un échantillon d'agriculteurs a mis en lumière beaucoup de difficultés, notamment les difficultés financières. Dans le sens global, financement, fonds de roulement et puis fonds d'investissement. Et également, les problèmes de commercialisation et de gestion qui se matérialisent par l'absence chez l'agriculteur d'une vision globale et comptable de son affaire, ainsi que des difficultés à trouver des débouchés et à vendre. Eu égard donc à ces difficultés, il est donc probable que les revenus monétaires, que ce dernier pourraient tirer de leur activité, ne leur permettraient que de survivre. À ce niveau, il est donc difficile qu'ils progressent. Eu égard à cela, nous avons cogité, nous avons compris que nous devons apporter des solutions à ce niveau. La raison pour laquelle, aujourd'hui, on va parler de compensation pour le bien-être des populations rurales. Nous sommes très intéressés. Je suis sûr que plus d'un, également, de l'autre côté, ceux qui nous occupent, qui nous écoutent du côté des DA, du côté de Pouma, du côté de Mélon, où le lancement de la campagne agricole pour cette année a été opéré par Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural il y a quelques temps seulement, du côté de Yabassi, du côté de Nkondjo, du côté du Nord Macombe, mais également du côté de l'Ouest, parce que la mère des radios, la 91.3 FM, elle est suivie et un peu plus loin que nous le pensons. Du côté de Nyanon également, nous n'avons pas oublié. Et nous faisons une révérence à ceux qui nous écoutent du côté de Logbessou. J'ai cité
Sa Majesté Mukodi Abel. Je n'oublie pas non plus ceux qui nous écoutent du côté de Sépé, c'est dans le village de Makondo. Sa Majesté Sépé, Sépé Jean-Marc. Et nous, toutes nos révérences, parce que sans cela, la communauté ne saurait être diligentée. Et nous revenons dans ce studio, mesdames, messieurs, lorsqu'il sera 21h dans 12 minutes. C'est Littoral Agro-Pastoral qui vous entretient ce soir. Il y a seulement quelques heures, il s'est tenu dans les locaux de la Chambre d'agriculture du Littoral un séminaire sur l'élevage du porc. L'élevage du porc, nous le savons très bien, est aussi bien pratiqué pour ce qui est de la région du Littoral, dans la ville de Douala, que dans les périphéries. Pourquoi avoir incité ce séminaire, M. Tchoufa? M. Niobe, je vous remercie de me donner la parole pour parler d'une activité qui souffre aujourd'hui d'un problème d'image, de vieillissement. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les porciculteurs sont des gens d'un certain âge. Nous avions organisé une conférence et c'est moi vous dire qu'au cours de cette conférence, tous les jeunes qui étaient dans la salle étaient que des journalistes. Donc, en plus de ça, on se rend compte que les porciculteurs ont aussi un problème d'équipement. Pour l'instant, nous attaquons le problème à la racine. Nous essayons d'abord de motiver ceux qui sont dans l'activité porcine. C'est pour ça que le programme Nisayo s'est approché des partenaires allemands pour donner une alternative concrète, voire professionnelle, aux porciculteurs. Qu'ils comprennent aujourd'hui que la CAPEF, la Chambre d'agriculture, d'élevage, de pêche et de forêt, n'est pas sourde devant cette difficulté des porciculteurs. Nous avons donc trouvé nécessaire un rapport avec l'ordre qui vient d'en haut, l'hébergence 2035, de toucher du doigt les porciculteurs pour essayer de relever les niveaux. Et l'entreprise Dutchmark, Big Dutchman, une entreprise allemande qui existe depuis 75 ans, leader européen, aujourd'hui animé d'un souci de vulgarisation, n'a pas hésité à notre approche du programme Nisayo pour venir ici au Cameroun sensibiliser les porciculteurs sur les nouvelles techniques de pointe afin d'optimiser leur rendement. Ce partenariat qui s'est tenu au grand jour dans la chambre d'agriculture de Bonanjo, dans la salle de conférence du programme Nisayo ce mardi, était, je le précise, parrainé par le président de la chambre d'agriculture, des élevages, des pêches, la CAPEF, qui était représenté par le premier vice-président de la chambre. Nous parlons de M. Moussa Koué. Parce que c'est une affaire qui touche tous les sommets de la chambre. Dans cette conférence, il y avait deux volets qui étaient importants. Le premier volet, c'était la présentation de ses partenaires allemands dans son ensemble. Ils étaient représentés par le représentant Afrique, M. Nouga Patrick Hervé, qui, au cours de cette conférence, a édifié les porciculteurs sur les différents produits que dispose l'entreprise Big Dutchman et qu'il compte mettre à la disposition des porciculteurs. Je vais prendre deux minutes pour essayer de vous expliquer de quel genre de produit il s'agit. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens veulent entrer dans les détails pour bien comprendre les actions que nous menons sur le terrain. Ils ont présenté ce qu'on appelle des caillebotis. Vous savez, les caillebotis, ce sont des supports plastiques qui sont hyper solides. Le porc, c'est un animal de sa naissance jusqu'à son poids de commercialisation, on ne fait que l'engraisser. Donc il pèse énormément et il faut des supports solides pour pouvoir tenir son poids. Les caillebotis, on les met sur le sol. Leur rôle premier, c'est de faciliter l'évacuation des déchets. Aujourd'hui, l'élevage du porc se fait en périphérie parce qu'il y a des problèmes au niveau de l'hygiène. Donc, les caillebotis facilitent l'évacuation de ces déchets. Vous savez que
Les déchets du porc ne se jettent pas. C'est de l'engrais bio. C'est recyclable. Tout à fait. Il y a aussi ce qu'ils appellent des auges. Aujourd'hui, ceux qui sont dans la porciculture souffrent de l'alimentation des porcs. Les porcs consomment énormément. Et jusqu'à présent, aucune mesure, aucune technique, aucun management n'a été mise à la disposition de ces porciculteurs pour élever ces porcs afin qu'ils atteignent le poids adéquat pour la commercialisation. Donc les auges permettent de rationaliser l'alimentation de ces porcs. Et laissez-moi vous dire que les éleveurs ont une réaction très positive par rapport à cet objet. Il y a aussi la pipette, qui est un objet très connu par les porciculteurs. Ils le savent très bien. Et lorsqu'on les a présentés, c'était du déjà vu. Mais sauf que l'avantage du Big Dutchman, c'est la solidité. Et c'est un système de filtrage qui est à l'intérieur de ce tube hyper solide. Vous connaissez la marque allemande, qui permet le filtrage de l'eau et qui permet à ce que les porcs puissent abreuver avec de l'eau de qualité. Parce que le porc a besoin d'une bonne eau pour ne pas avoir des maladies que nous tous ne connaissons. Et en plus de ça, il y a des cloisons. Des cloisons, ce sont des barres de fer métalliques qui permettent de séparer dans un percher les porcs. Vous savez que les porcs pèsent énormément. Le déplacer est un problème. C'est pour ça que les cloisons jouent ce rôle. Ils permettent de séparer les porcs et de mener toute action à l'intérieur d'une percher sans avoir de difficulté. Ça, c'est une ébauche de ce qu'ils ont eu à présenter. Comme quoi, ce sont des produits qui intéressent le plus petit au plus grand porciculteur. Dans l'élevage du porciculteur. Entre autres, via ce partenariat, la CAPEF, par le programme ITAIO, a demandé à Big Dutchman de mettre à la disposition des porciculteurs une expertise gratuite pour permettre aux porciculteurs d'être mieux managés dans leur activité. Et nous avions aussi négocié des SAV, c'est-à-dire des services après-vente, de 2 ans, parce qu'aujourd'hui, on connaît la contrefaçon. Les gens viennent mettre des produits et après, nos porciculteurs n'arrivent pas à maîtriser l'usage, ou bien ces produits ne sont pas de qualité, ou bien dans la ferme, ça allait créer des problèmes. Donc, on exigeait un service après-vente de 2 ans, pour que ces prosculteurs soient sécurisés à ce niveau, sécuriser leur investissement. Donc voilà en gros ce qu'a eu à présenter le représentant Afrique de Big Dutchman ce mardi. Et quant à le programme ISAIO, nous avions pour objectif d'exonérer, de subventionner ces produits pour que ces produits soient accessibles à ces prosculteurs qui n'ont pas assez de moyens. Et aussi la construction d'une ferme pilote pour que les jeunes Camerounais, parce qu'il s'agit de ça, la continuité, qui veut s'investir dans l'activité porcine, puissent avoir un centre de formation où ils pourront acquérir l'expérience et la connaissance requise afin de s'investir concrètement dans cette activité. Et aussi ces éleveurs qui sont déjà dans cette activité, la possibilité de se recycler. Donc voilà en gros la conférence, voilà en gros le séminaire. Et je pense que, au sorti de là, j'ai trouvé des prosculteurs satisfaits. Une fois, ils m'ont dit, là on a vu des solutions concrètes, des solutions de proximité, et là on sent qu'on nous écoute. Donc l'entreprise Big Dutchman avec le programme ISAIO, c'est ça, c'est du concret, c'est de la proximité. Et c'est de l'attention de nos membres de la Chambre. Bon. C'est du concret, c'est de la proximité, c'est de l'attention de nos membres. Nous allons souffler en musique pour que, n'est-ce pas, nous puissions nous remettre et que ceux qui viennent de nous rejoindre dans le cadre de Littoral Agro-Pastoral de ce soir puissent s'installer et nous suivre. Nous parlons de l'élevage du porc avec la collaboration d'un partenaire allemand, Big Dutchman. C'est le programme ISAIO qui conduit ce partenariat. Édouard, une ponctuation musicale, s'il te plaît. Oh,
Christiana, yeah, yeah. Christiana, yeah, yeah. Christiana, yeah, yeah. Christiana, yeah, yeah. Christiana, yeah, Christiana, kwadobe kanyima hapuko. Na jojo. Christiana, simu, I am sorry, yogo. Agame nyege kokinu tawanyo sogo. My dear. Cela nous rappelle le bon vieux temps. Le bon vieux temps avec Nico Mbarga, qui, pour ceux qui ont vécu cette époque,
nous a fait vivre de l'émotion en se faisant escorter avec des scooters. C'était ce genre de grosse moto, alors que lui-même était installé dans une Coaster, ce genre de minibus que nous voyons aujourd'hui arpenter nos rues entre Douala et Yaoundé, transportant les passagers. Nous sommes revenus dans ce studio, mesdames, messieurs, chers frères agro-silvo-pastoraux, professionnels du monde rural. Alors qu'il est 21h04, nous sommes dans le cadre de Littoral Agro-Pastoral. Nous sommes accompagnés, dites-vous, de M. Oum, qui est expert en compensation multilatérale, et de M. Tchoufa, qui est responsable relations publiques et marketing au programme Nisayo. Et nous parlons ce soir de l'élevage du porc avec un partenaire Big Dutchman, la coopération allemande, qui a tenu hier dans les locaux de la Chambre d'agriculture à la délégation régionale du littoral un séminaire sur l'élevage du porc auquel ont participé plusieurs porciculteurs qui, du rendu de ces deux intervenants ce soir, sont partis avec beaucoup de satisfaction. Mais pour nous, auditeurs de Littoral Agro-Pastoral ce soir, qui n'avons peut-être pas été à la conférence, nous aimerions savoir. Parce que quand on parle de partenariat, il y a un qui a dit « Qu'importe que l'on m'appelle un homme, en vérité, je suis l'âme même de l'amour. Le monde entier est ma demeure et l'univers mon pays. » Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous parlons de mondialisation, nous parlons de globalisation, nous parlons d'été ici. Et tout ça, c'est une toile qui tend à mettre ensemble, de près ou de loin, ceux qui exercent, soit dans le même domaine, soit dans les domaines complémentaires. Monsieur Oum, en dehors de ce que venait de relever M. Tchoufak tout à l'heure, à savoir la présentation des produits. Il a parlé de caïbouti, il a parlé des auges, il a parlé des pipettes, il a parlé de cloisons et surtout d'expertise gratuite, parce que le premier moyen sans lequel on ne saurait se dire exerçant dans le monde agro-silvo-pastoral, contrairement à ce qui a été développé jusqu'ici, parce que nous avons encore suivi un qui faisait dans l'humour. J'ai cité Jean-Michel Cancan qui disait dans une de ses scènes, si la machette pèse beaucoup, si le bic pèse beaucoup, la machette pèse moins. Mais je pense que pour ceux qui ne se sont pas bien préparés, pour ceux qui ne sont pas nantis d'outils et surtout de savoir et de savoir-faire, il ferait mieux d'aller se chercher ailleurs, pas dans le monde agro-silvo-pastoral. Parce qu'ici, il s'agit de la science et de l'innovation. Monsieur Oum, en dehors des outils, du matériel qu'a présenté Big Dutchman, est-ce qu'il y a eu un autre aspect que M. Tchoufak n'a pas relevé et qui intéresserait le porciculteur ou alors le sympathisant dans ce domaine d'activité? Naturellement, le matériel que M. Tchoufak venait de présenter avec brio, c'est justement cela, mais la seule différence qu'il n'a pas mentionné que ce matériel était de pointe, de très très bonne qualité, inoxydable parce qu'il est fait en inox. La présentation était on ne peut plus intéressante et c'est tous les agriculteurs qui ont apprécié non seulement la qualité de ce produit, mais la simplicité avec laquelle on peut le mettre en application. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de la vie moins chère que prône d'ailleurs le chef de l'État, ils sont conscients de cela. Et c'est la raison pour laquelle, dans la zone Afrique, ils nous ont dit qu'ils devraient mettre ces produits à la disposition de tous les porciculteurs. Chacun selon sa taille et selon son potentiel d'achat, selon son pouvoir d'achat. Donc ça veut dire que ces matériels, on peut le scinder et à une petite échelle, à une grande échelle, selon les moyens de chacun. Mais ce qui est le plus intéressant encore, c'est que dans le cadre de notre partenariat, et les produits seront exonérés, puisqu'en fait, c'est un détail qu'il ne faut pas négliger et seront exonérés, ce qui fait que le coût du produit va revenir moins cher.
Et tout simplement parce que les accords que nous avons signés, ils ont trouvé intéressant parce que Nessayo est une base nationale, c'est pas une base régionale. Nous aurons des antennes que nous allons établir dans tout le Cameroun, avec les centres, avec la formation sur place et une méthodologie d'action et autres. Ce qui fait que les gens qui viendront de Bafoussam vont rester à Bafoussam, ne seront pas obligés de venir à Douala pour se faire former. C'est ça aussi notre avantage. Et de l'autre côté, le matériel qu'ils prendront au niveau de la CAPEF, du programme Nessayo, sera moins cher parce qu'il sera exonéré de certaines taxes. Je vous remercie énormément. Monsieur Tchefak, une précision ? Une précision. Ou alors un élément supplémentaire. Un élément. Je voulais d'abord attirer l'attention ici des Camerounais qu'aucun contrat, aucun partenariat aujourd'hui dans la Chambre d'agriculture, de pêche et des éleveurs de forêt n'est signé sans que le transfert de technologie soit mentionné. Il faut que vous compreniez, monsieur Niobe, qu'il est très important d'abord de maintenir les porciculteurs, ensuite de développer. Donc, si vous voyez ce que le programme Nessayo a exigé dans ce partenariat à Big Dutchman, à savoir l'accessibilité des produits, l'expertise pour les porciculteurs en activité, ça c'est maintenir. Ce que le programme Nessayo met sur la table, c'est le développement avec le transfert des technologies. La construction d'une ferme pilote, ça c'est pour former les Camerounais à la technologie de pointe sur l'élevage porcine. Ça c'est du développement. Ça c'est du transfert des technologies. Et ça serait les employés, les cadres, les techniciens de Big Dutchman eux-mêmes qui seront ici pour former ces jeunes Camerounais. Ensuite, il y aura des produits pour l'insémination des porcs. Vous savez, l'accouplement d'une truite est un travail pour un porciculteur. Tout à fait. Souvent, il faut qu'il mette 4 viras pour coupler une truie parce qu'il ne maîtrise pas bien quand la truite est en chaleur. Ça, c'est un problème. Avec l'insémination artificielle, il n'aura plus ce problème. Et ça viendra après. Ça, ce sont des additifs. Lorsque notre ferme sera suppliée, on aura les inséminations artificielles qui seront là. Il y aura aussi un abattoir pour optimiser le rendement de ces porcs. Je pense que il est aussi important de noter que la construction de la ferme ne concerne pas uniquement le programme Nessayo. Ça concerne aussi Big Dutchman. Pour cette construction, où elle sera mise en avant sur un plan communicationnel, l'impact commercial que ça va engendrer est considérable. Donc, ils vont participer à la construction de cette ferme pilote. Donc, je pense qu'en dehors de ce qui était sur le partenariat, il y a beaucoup de choses qui vont être faites. Et dans ces choses, il y a le transfert de technologie. Si vous me le permettez, j'aimerais attirer un point crucial. C'est-à-dire, pourquoi un jeune entrepreneur doit s'intéresser à l'élevage du porc? Pour moi, c'est un point qui est très important. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit dans les microfinances, au Fonds national de l'emploi, ou même quand je suis dans le programme du SAIO, je me rends compte que les jeunes souffrent de 3 choses. L'idée, ils n'ont pas la bonne idée pour s'investir. Ils ont un problème de profil. Moi, j'ai un monsieur qui est entré dans mon bureau, il me dit, j'ai 30 hectares et je vais faire de l'agriculture. Et on me dit que dans la chambre d'agriculture, il y a beaucoup de subventions. J'aimerais savoir lesquelles. À partir de là, je pourrais m'orienter. Voilà les Camerounais d'aujourd'hui. Et ce monsieur, c'est un avocat. Il est en ensemble veste. Donc, j'ai été un peu surpris de cela. Parce qu'on a un problème de profil aujourd'hui au niveau de l'agriculture. Les gens prennent cette activité comme une activité parallèle. Et c'est par là qu'ils chutent tous. Donc, en troisième chose, j'aimerais aussi attirer l'attention sur le montage du projet en ce qui concerne la faisabilité. Avec le projet Big Dutchman, 2 points sortent de cette liste, à savoir l'idée et à la fin,
le montage du projet. Dans cette expertise, le montage du projet est clair. Lors de cette conférence, ils ont fait passer une fiche. Sur cette fiche, il y avait le dessin d'une femme de 50 truites. Je vais vous expliquer simplement pourquoi je dis que c'est une affaire en or. Si j'ai encore le temps, M. Niobe. C'est une affaire en or parce que 50 truites, une truite a une production avec la technologie de Bidoshman de 2,5 l'an. Ça veut dire qu'une truite, pour une mise bas, a 10 porcelains. En une année, selon le taux de Bidoshman et sa technique de management, on se retrouve avec une truite au minimum 22 porcelains. 50 truites, selon ce projet, nous donnent en moyenne, avec deux mises bas, environ 1000. 1000 porcs. Et pour qu'un porc puisse être engraissé jusqu'à la commercialisation, c'est-à-dire les 0 à 90 kg, qui est le poids normal, parce qu'après 90 kg, il mange plus qu'il n'engraisse, un porc de 90 kg, d'après ce que l'expert de Bidoshman m'a dit, c'est 3 semaines. C'est 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Ça veut dire que, à l'espace d'un an, avec cette technique, un éleveur, je suis dans les estimations, peut avoir 1000 porcs à commercialisation. C'est-à-dire que le prix du porc aujourd'hui en kilo, c'est environ 2000 pour celui qui vend le porc. C'est-à-dire qu'on parle de 180 millions, tout calcul fait. La construction de cette ferme, l'équipement, d'après Bidoshman, vous revient à 50 millions. Les bâtiments et les charges qui sont liées à ces bâtiments, salaire, eau, lumière, ils estiment tout ça pour une année à 90 millions. Donc, je vous fais comprendre ici que la première année, vous êtes déjà en train de couvrir d'une certaine manière votre investissement. Et les experts de Bidoshman nous démontrent qu'en 2 ans, dans les pires des cas, vous avez amorti votre investissement. Donc, je pense que c'est une affaire pour les jeunes entrepreneurs à saisir. Et ils n'ont qu'à venir au niveau de la Chambre d'agriculture, au programme ISAIO, pour prendre part à cette information. Mais, comme je le disais, le problème aujourd'hui reste le profil. Parce que tous ceux qui s'intéressent ne veulent pas s'y investir, mais veulent faire de ça une activité parallèle. Voilà où on en est aujourd'hui dans cette activité. Justement, Monsieur Tchoufak, vous me permettez d'aborder là un aspect qui est non moins négligeable dans tout ce que nous pouvons avoir à dire dans l'activité pour ce qui concerne le monde agro-silvopastoral. Peut-être que je connais un peu bien. On entre parfois par la dynamique, parfois par le moyen. Et tout de suite, au départ, on est artisan. On est artisan parce que les méthodes qu'on utilise, les moyens qu'on a, ne peuvent pas être très, très élevés au début, pour la majorité des cas, pour la plupart des cas que nous avons rencontrés. Et dans ce contexte, il se pose un problème d'équipement, il se pose un problème de conditionnement, et il se pose un problème de conservation. Tout ceci aboutit à la commercialisation. Je voudrais qu'on aborde l'approche commerciale. Tout à fait. Et est-ce que vous avez prévu quelque chose dans ce sens? Pour l'instant, en ce qui concerne les débouchés commerciaux de différents porciculteurs, j'aimerais tout simplement attirer votre attention, que vous puissiez vous rendre compte, si vous me le permettez, que le porc reste encore une viande de luxe. Les Camerounais n'ont pas d'accessibilité. Dans le marché, il y a de la demande. Et ça reste encore une viande chère. Donc le marché local est très ouvert et très porteur. Avant de regarder ailleurs, il faut d'abord faire cette étude. Et Bidoshman l'a fait. Nous, au niveau de la Chambre, nous avons cette information. Lorsqu'on prend ce style de partenariat, c'est parce qu'on a regardé aussi que sur le marché local, il y a une demande très importante. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Le marché local est très ouvert. Maintenant, pour ceux qui veulent s'investir, l'exemple que j'ai eu à prendre tout à l'heure, ce n'est pas pour
les artisans, c'est pas pour les petits porciculteurs. C'est pour ceux qui veulent venir s'investir grandeur nature. C'est pour ça que je vous ramène. Parce que tout à l'heure, quand vous êtes intervenu, pour le compte d'exploitation que vous avez esquissé, si on peut le dire. Oui, parce que c'est les chiffres. Tout à fait. On parlait déjà en termes de millions. Tout à fait. Par contre, à l'entame de ce programme, nous avons dit que la porciculture s'exerçait autant dans la ville où nous nous trouvons que dans les périphéries. Oui. Et parfois, c'est des tailles diverses. Tout ça peut être de petites tailles, ça peut être de grandes tailles. Et ma foi, je crois, sans peut-être risque de me tromper, que dans la salle, on pouvait se retrouver avec toutes ces catégories d'opérateurs. Oui. Voilà. Maintenant donc, pour celui qui exerce à une dimension peut-être pas très élevée et qui, justement, est confronté à ces problèmes que nous sommes en train de souligner, l'équipement dont vous avez déjà parlé, ça c'est déjà un acquis, le conditionnement, quand on parle déjà de conditionnement, de transformation, de commercialisation, ça veut dire qu'on est en train d'entrer dans le domaine que vous êtes en train de relever, où vous êtes en train de faire développement. Tout à fait. Maintenant, je voudrais qu'on s'attarde beaucoup plus sur le petit exploitant. Tout à fait. Qu'est-ce que celui-là peut bénéficier de cette situation que vous êtes en train de présenter? D'accord. Je comprends que j'ai commencé en hauteur. Je voulais revenir à celui qui nous intéresse principalement. Oui. C'est pour ça que j'ai dit d'abord la maintenance, ensuite le développement. Cette approche n'était que pour faire comprendre que le porc, c'est une affaire en or pour tout le monde, grand comme petit. Le petit éleveur, c'est une question récurrente qui est venue sur la table des panélistes durant la conférence à plusieurs reprises. Les gens demandaient les prix, les coûts, ça revient à combien? Et à chaque fois, le représentant de Budachement l'a dit, on ne peut pas vous dire le prix, le coût, comme ça. Parce que ce que nous on offre est modulaire. Cela s'adapte à vos besoins. Il y a celui dans sa ferme qui n'a besoin que d'une pipette parce qu'il a un problème d'eau. Il n'arrive pas à breuver son porc. Il n'a besoin que d'une pipette. Il n'a pas besoin de tout cette armada. Et pour cette pipette, on a un prix. Budachement a un prix. Nous, on subventionne ce produit pour que ça soit accessible à cet agriculteur. Il y a ceux qui ont besoin tout simplement des auches, parce qu'il veut sortir le matin, il veut revenir voir le porc le soir, il a besoin des auches pour l'alimentation rationnelle de ses porcs. Et lui, il a un prix. Il y a ceux qui ont besoin des caillebotis, mais pas dans toute la ferme. Ils ont besoin des caillebotis, là où il y a les truies, parce que les truies peuvent aller jusqu'à 200 kilos. Et les porcelets n'ont pas besoin. Et pour lui, on peut prendre des mesures et on donne les caillebotis à des prix indiqués. Il est clair que Budachement donne les meilleurs prix depuis l'Allemagne, il est clair que nous bénéficions d'une exonération. Cet ensemble, ce package, c'est ça qui constitue la subvention. C'est ça qui est l'accessibilité pour ce petit éleveur dont vous faites part. Donc, c'est une formule qui a été réfléchie, qui a été pensée pour le plus petit ou pour le plus grand. Moi, je le dis parce que je vous ai dit qu'on a un problème d'image. Les Camerounais s'investissent dans les bâtiments plus que dans les activités qui peuvent être plus rentables que ces bâtiments. Si aujourd'hui nous sommes à l'antenne, ça veut dire qu'on peut sensibiliser ces gens à comprendre qu'il y a d'autres activités plus rentables, plus intéressantes, et où les Camerounais ont besoin que des gens qui ont les moyens s'investissent pour donner une autre image à cette activité. Voilà pourquoi. Et qui peuvent aider l'investisseur et aider un consommateur, c'est-à-dire une cible, mieux que d'autres investissements dans d'autres cadres qui ne peuvent profiter qu'à leur entrepreneur. Monsieur Oum, je reviens un tout petit peu de votre côté parce que je pense nous nous sommes beaucoup plus attardés, n'est-ce pas, dans le partenariat, mais là-dedans également, nous avons abordé l'aspect compensation. Est-ce que je me trompe? Pas du tout. La compensation a sa place. Parce qu'en fait, nous avons compris que généralement, les gens manquent du cash flow pour pouvoir s'approprier le bien dont ils ont besoin. Dans cette plateforme, comme j'ai vu tantôt,
chaque bien matériel va devenir, dans notre réseau, un moyen de paiement au même titre que de l'argent. L'agriculteur, qu'est-ce qu'il peut produire? Ce n'est que les produits de sa production. Il a nécessairement sa place dans cette plateforme. En retour, il a besoin du matériel pour produire. Donc, cette mutualisation des forces, des énergies et des ressources s'appuie sur le fait que ils se portent mutuellement. Et chacun peut obtenir le bien ou le service dont il a besoin par l'appui du réseau. Voyez, une seule main ne peut pas attacher un paquet. Comme le dit un adage africain. Il faut plusieurs mains. Et aujourd'hui, il est plus que temps que les gens comprennent que la solidarité est une force. Faire cheval, cavalier seul dans une affaire, il est moins probable qu'on puisse réussir. Mais quand on travaille de concert, on travaille de façon collective, on mutualise leurs forces, on fédère leurs forces, il est fort probable que le résultat soit là. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre système de compensation, nous avons pensé au financement. Parce qu'en fait, c'est ça le nerf des guerres. Et le financement est immédiat, dans la mesure où on peut céder un bien. Et on peut tenir ce bien par la production de ses propres biens, et mais de façon multilatérale. Donc ça veut dire, en fait, moi, je vous sollicite, vous vous sollicitez aussi quelqu'un d'autre en compensation de ce que vous avez, je vous ai cédé. Ouais. Et nous avons donc un guichet unique de gestion de ces opérations qui fonctionne comme une banque, dans la mesure où nous avons des titres de paiement qui s'effectuent dans les transactions. Et lorsque vous cédez, on débite, on crédite votre compte. Et on débite le compte de celui qui a reçu à la valeur courante du bien ou du service cédé. Tout à fait. Mais dans le cas d'espèce, par exemple, pour renforcer les capacités des porciculteurs, ouais, c'est vrai que le produit qui va arriver, il faudra qu'il débourse un peu de l'argent. Ouais. Même s'il y a des subventions, n'est-ce pas? Naturellement. Okay, nous avons donc mis sur pied un fonds de compensation communautaire qui va jouer le rôle du fonds d'appui et de garantie aux capacités managériales des organisations paysannes. Ouais. Grâce à ces fonds de compensation communautaire, ils peuvent avoir, si possible même, admirer les fonds qu'il leur faut pour s'acheter le bien dont ils ont besoin dans le cadre de cette convention de partenariat qui est signée. Oui. Et aussi en retour, ils ont les produits, les porcs qui vont élever. Un autre opérateur économique aura besoin de ça pour aussi compenser ce qu'il a cédé par ailleurs. Vous voyez, tous ces mécanismes d'interchangeabilité des biens et des services, ouais, c'est des formes de financement, mais qui ne sont pas en numéraire, mais qui sont en nature. En nature. N'est-ce pas? Tout à fait. Et nous avons des mécanismes appropriés dans ces transactions, si bien que nous pouvons créer des disponibilités suffisantes en rapport avec les offres et les besoins des uns et des autres. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle je lance un cri ici, maintenant, au plateau, que le problème de financement pour les agriculteurs, pour les porciculteurs, ne sera que l'autre morte, puisque nous avons pris des mesures par rapport à cela, et bientôt, ils vont voir des réalisations et la réalité sur le terrain. C'est très intéressant. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas pu assister à ce séminaire, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a encore des portes ouvertes? Est-ce que ça intéresse tout le monde? Vous l'avez déjà dit. Mais pour ceux qui n'ont pas pu être là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Qui nous écoute ce soir? Pour ceux qui n'ont pas pu être là, d'abord, je les comprends. L'organisation de cette conférence a été très rapide. Vous savez, quand ces partenaires arrivent, souvent ils arrivent pas au moment indiqué et ils veulent tout faire. Nous, on ne peut que faire. Donc, cette conférence a été très rapide et ce n'est que les membres de la Chambre, un grand nombre de porciculteurs identifiés dans la Chambre qui ont été informés. Tout à fait, les ressortissants. Mais notre souci, c'est que tous les Camerounais qui veulent s'investir ou qui sont déjà dans cette activité puissent avoir cette information. Tout à fait.
La chambre d'agriculture de Bonanjo, par le programme ISAIO, est ouverte pour ceux qui ont besoin d'amples informations sur ce partenariat et de savoir comment ils peuvent souscrire aux produits de l'entreprise Bidashman. Très intéressant. Mesdames, messieurs, nous n'avons pu nous étaler mieux que ça ce soir. Vous avez suivi Littoral Agro-Pastoral en compagnie de M. Tchoufak de Nisayo, qui est responsable relations publiques et marketing, de M. Oum, qui est expert en compensation multilatérale. Nous avons parlé de compensation, nous avons parlé d'expertise avec le partenariat Big Dutchman, coopération allemande avec Nisayo, nous avons parlé également de Nisayo. N'oubliez pas, chers frères et sœurs opérateurs, le savoir-faire n'est ni être un professionnel, ni être un très grand technicien, ni être un homme très nanti. Mais c'est savoir-faire, savoir ce qu'on sait faire. Littoral Agro-Pastoral vous accompagne ce soir. Nous terminons avec cette note triste. Le conseil d'administration, le directeur général de la société Ubifarm Cameroun et tout son personnel ont le profond regret d'annoncer le décès de Dr Tomo Bawanji Françoise, directrice de l'agence Ubifarm Douala. Décès survenu le lundi 3 mars 2014 à la polyclinique Mouna des suites d'une courte maladie. Le programme des obsèques se présente comme suit. Du 3 mars au 13 mars, il y a eu recueillement et prière au domicile familial 6 à Bonhomme Sadi Terminus. Vendredi 14 mars, 11h, levée de corps à la morgue de l'hôpital militaire de Douala Bonanjor. 13h, messe funèbre à la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Bonhomme Sadi. 14h30, transfert de la dépouille au domicile familial et début de la veillée. 20h, messe. 21h30, témoignage. Et 22h30, animation diverse. 1h, départ du cortège funèbre pour le village Bangou, quartier Balambo. Samedi 15 mars, 6h-8h, arrivée du cortège funèbre, installation et mise en place à l'école publique de Balambo. 9h, messe œcuménique. 10h, témoignage. 11h, inhumation et 12h, collation. Le programme se poursuivra le dimanche 16 mars à 10h, lamentation. Nous n'avons pu faire mieux ce soir, chers frères et sœurs. Nous avons été modestes, nous, c'est-à-dire Simon Nyobé dans ce studio, Edouard Pendao, pupitre technique, de l'autre côté, Gisèle Neminga, Talatodem, avec à la tête de la chaîne Kenneth Kan Asobo, coordinateur de la station régionale CRTV Littoral, Serge Gandon-Tonnet. Nous n'oublions pas les Lobissou Boys, Gaston Wang et son équipe. Vous avez été nombreux à nous suivre ce soir. Mercredi prochain, quand il sera 20h30, nous nous retrouvons dans le cadre du Littoral Agro-Pastoral. Nous ferons mieux sûrement avec votre collaboration. Merci, bonne nuit. Nous vous laissons en compagnie de Social Action. Baba ye mabiniga ni mele Bolo yo tama yo ni yensen Men toro bebo baso Men sure beye nipa Meni ba ningwe ni penisal Inale yo tama yo ni yensen Oh ma Baba ye maliga ye na niga ni me Bolo moli momo maliga yo ni agati ni me Bigwe mongwa Angwa ye ya me ya niga mele ha Baba ye maliga ye na niga ni me Bolo momo Membo nge bi ko paso, melundo be mense bebe. Bolo yota mayoni yensen, nyando mwe mabi mi amelai. Mense bebe bo paso, menkonde poros bea. Beni bani ngwe ni beni sala, inale yota mayoni yensen na bol. Baba ye maliga ye na niga ni bolo mwa bolo mwa maliga yoni agati nga we bi ko mwa. Duwe baba ye mabi ni gamela baba ye mabi ye ni gani me bulu gamela o mo mali ga yo ni agati ni me bi ko mo agwa.